Alors, Marie-Claude, est-ce que, est que vous m'entendez Hello, hello Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour, bonjour, coucou Cathy. Ah, bonjour Evelyne. Coucou Karine, Marie-Claude, Sandrine, Marie-Christine, Marianne. Oh là là, je ne vais pas avoir le temps de citer tout le monde. Coucou Héloïse, Béatrice, Viviane. Coucou ma petite Camille. Maddy. Coucou Geneviève. Bonjour, bonjour. Marie-France, Laurence. C'est super, je suis très très contente de vous retrouver cet après-midi pour ce nouveau live créatif où nous allons réaliser aujourd'hui un mini-album. Vous avez dû le voir dans les publications de la semaine dernière. C'est un projet qui est très simple. Euh, qui peut s'adapter, je pense sincèrement, à tous les niveaux de scrap sans aucun problème. Euh, et pourquoi pas aussi le décliner pour la fête des pères qui approche et qui arrivera très très vite. Coucou Nathalie Ah, tout fonctionne Bon, c'est parfait Ça va, ma petite Béatrice c'est super, je vois que tout le monde arrive à se connecter, que le son est là, que l'image est à peu près correcte, donc c'est top. Coucou Muriel. Bonjour Chris, comment ça va Coucou ma petite Martine. Bien, c'est super. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette petite création du jour, euh, vous le savez, j'ai l'habitude de vous donner euh, les petites infos de la semaine qui concernent évidemment Stampin' Up et également mon activité. Alors, coucou ma petite moumounette euh, Bonjour Isabelle Bonjour la deuxième Isabelle <laughs> Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, premier jour du mois, euh, et euh, avec lui plein 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 de nouvelles choses euh, vous avez probablement dû les voir passer ces infos ou pas d'ailleurs euh, en tout cas les personnes qui sont inscrites à ma newsletter euh, par exemple ou à mon blog ont dû euh, avoir ces infos ce matin euh, première info et euh, non des moindres euh, faut l'avouer bonjour Véronique euh, ce sont les liquidations et oui alors liquidation cela signifie que nous arrivons euh, à la fin du mini catalogue janvier et juin et que euh, depuis cette nuit, vous le voyez, il y a des produits jusqu'à moins 50%. Euh, donc ce n'est pas négligeable. La grande majorité euh, du mini catalogue euh, des produits, j'entends, euh, vont disparaître à la fin du mois. Donc c'est le moment, si vous avez eu des coups de cœur, et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous les procurer, allez jeter un œil à la liste. Vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de produits à prix réduit. Mais il y a aussi des produits, comme je vous le disais, qui vont complètement disparaître. Donc, ça vaut le coup d'aller sur la boutique en ligne pour y faire un petit tour, pour jeter un œil, pour être sûr de ne pas passer à côté de vos produits favoris. Nous sommes bien d'accord. Je sais qu'il y en a qui ont attendu minuit, cette nuit pour pouvoir passer leur petite commande. Voilà, si ce n'est pas fait, alors évidemment, vous avez jusqu'à la fin du mois de, pour profiter de ces liquidations euh, et de ces réductions. Par contre, sachez que euh, c'est jusqu'à épuisement des stocks. D'accord Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. <laughs> Voilà. Euh, donc, euh, en gros, cela signifie premier arrivé, premier servi. Donc, voilà, j'insiste, si vous avez des gros coups de cœur, ne tardez pas, ne vous dites pas, ne procrastinez pas comme ça m'arrive parfois et euh, allez-y rapidement avant que ça vous passe sous le nez. Voilà, voilà. Coucou Corinne, comment vas-tu Hello Karine. Bonjour Marlène. Euh, autre information et cette fois elle concerne les kits tout compris, donc vous savez, depuis l'année dernière, on a une gamme de kits tout compris euh, qui se développe au fil des mois. Euh, donc ça c'est l'idéal quand on manque de place ou quand on débute dans la carterie par exemple euh, ou une activité pour les enfants. Euh, donc là les deux infos hyper importantes concernant les kits, la première, euh, c'est qu'il euh, y en a deux nouveaux qui viennent de sortir. Euh, des petits robots trop choupinous. Euh, je les ai commandés hein, ce matin, donc je ne peux pas vous encore vous les montrer, mais ça ne saurait tarder, ne vous inquiétez pas. Euh, et puis, euh, un autre kit aussi avec des cartes incroyables. Euh, donc, ça, vraiment, c'est euh, vraiment très sympa d'avoir des nouveaux kits. Ça nous manquait, euh, donc on est vraiment impatiente. N'oubliez pas aussi que euh, il y a toujours dans, euh, dans cette collection de kits. Alors, vous le savez peut-être pour celles qui, euh, qui, qui suivent un petit peu les actualités Stampin' Up depuis l'année dernière, euh, nous avons eu rapidement une rupture sur le kit de Noël en français. Et eh bien, euh, si vous voulez anticiper. Pour les cartes de vœux, sachez aussi que euh, ce kit en français de Noël qui est vraiment très très joli est de retour donc euh, voilà, n'attendez pas la période de Noël pour euh, pour les commander, anticipez et commandez-les maintenant. Et si je vous dis ça, et eh bien c'est simplement parce que tout le mois de juin, euh, Stampin' Up nous propose une super offre concernant les kits, c'est-à-dire que le deuxième est à moitié prix et là. Chose incroyable, vous avez l'habitude de ce genre d'offres, euh, c'est toujours le moins cher qui est à moins 50% et là non. En fait, euh, vous obtiendrez les moins 50% sur le kit le plus cher. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Et ça concerne tous les kits de la collection des kits, tout compris. Euh, donc ça vaut vraiment le coup si vous avez des petits cadeaux à faire ou euh, une activité à prévoir par exemple pour des anniversaires pour des enfants il y a plein d'autres idées, hein. on est bien d'accord et ben voilà, là c'est le moment de se faire plaisir euh, donc deux kits achetés, le plus cher est à moins 50% et ça, ça va durer donc tout le mois de juin et à cette occasion je vous propose euh, quelque chose d'assez euh, marrant que j'avais déjà fait l'année dernière et qui avait pas mal plu euh, je vous propose donc de commander euh, un ou plusieurs kits sur ma boutique en ligne, euh, de m'envoyer un petit mail pour me dire "coucou Harmonie, j'ai commandé un kit" et du coup en retour je vous enverrai un lien pour vous connecter euh, à un Zoom qui aura lieu donc le 23 juin à 20h30. Mais je vous lance un défi concernant ces kits, vous voyez à l'image. D'ailleurs vous apercevez aussi euh, les petits robots, donc ça ça fait partie des kits qui sont euh, dispo en ce moment. Et donc, si vous êtes joueur ou joueuse, je vous propose de commander donc un ou plusieurs kits sur la boutique. Alors, pourquoi pas deux, hein, histoire de profiter de la promo. Euh, et du coup, euh, de ne pas l'ouvrir tout de suite, sauf si vous avez une occasion spéciale, bien sûr. Mais de le garder bien au chaud de côté sans l'ouvrir. Oui, je sais, la tentation va être très forte. Et euh, eh bien, je vous propose qu'on se retrouve le 23 juin à 20h30. Euh, pour un petit zoom apéro ou un petit zoom dessert, si vous avez déjà dîné, et qu'on ouvre les kits ensemble, que l'on puisse découvrir ensemble euh, le contenu de ces kits, et puis pourquoi pas réaliser euh, une, une ou deux cartes, si c'est des cartes bien sûr, de ensemble. Voilà, histoire de passer un petit moment ensemble, bien sympa. Euh, voilà. Donc j'ai. Je... J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à relever ce, ce défi, donc de commander un ou plusieurs kits, de ne pas l'ouvrir et d'attendre le 23 juin à 20h30 pour le faire en ma compagnie et à compagnie de plein d'autres personnes, je l'espère, pour cette découverte. Voilà. Vous avez bien sûr le lien vers ma boutique qui se trouve en haut de la publication sur Facebook. Et si vous regardez en replay, euh, également sur YouTube, ça sera en bas dans la barre d'infos. Voilà, voilà, j'espère que ça vous plaira, euh, cette petite euh, euh, aventure, ce petit défi. <coughs> euh, <coughs> pardon, autre chose, euh, je suis déjà en possession du mini catalogue juillet-décembre qui est absolument incroyable. Pour être franche avec vous, je le préfère dix fois plus à celui de l'année dernière. Il est juste magique. Voilà, donc s'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore mes clientes, qui n'ont pas encore de démonstratrice et qui ont envie de recevoir ce mini catalogue, eh bien il y a un formulaire euh, pareil pour pouvoir euh, le recevoir. Attention, je rappelle à mes clientes, ce n'est pas la peine de remplir le formulaire, vous êtes déjà plusieurs à l'avoir rempli, c'est inutile. De fait, lorsque vous êtes ma cliente, je vous l'envoie, ne vous inquiétez pas. Donc, s'il vous plaît, ne remplissez pas le formulaire. Vous faites déjà partie de mon fichier, donc pas de soucis. Ça marche. Je vous invite aussi à aller sur mon blog, j'ai publié plein d'infos, euh, tout ce qui concerne euh, le mois de juin, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà. Coucou Anne-Lise, comment ça va Oui, Marie-Christine, je sais que ça va être très très dur d'attendre, mais il est incroyable. J'ai fait ma précommande ce matin. Très, très tôt. Je me suis levée très très tôt. Euh, donc voilà, j'ai commandé déjà quelques produits pour préparer les portes ouvertes, etc. J'ai eu du mal à me retenir, euh, à faire un choix, c'était horrible. Et vous verrez, ça vous fera exactement la même chose à vous aussi, j'en suis convaincue. Et je suis sûre que mes filleules qui sont présentes aujourd'hui ne vont pas dire le contraire. Voilà. Bien, alors maintenant que vous avez... Toutes les infos. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions. Tu as vu, ça te fait rire, Mimi, je m'en doutais. <laughs> C'est dur de choisir. Hein <laughs> si vous avez des questions concernant le Zoom, les liquidations, euh, le mini catalogue ou que sais-je encore, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'essaye de suivre en même temps euh, pour vous y répondre. J'ai essayé de zoomer sur la couverture, mais je ne vois rien. Oh la chipie <laughs> Même mes non-filiales, oui, ma petite Camille, je sais bien. Et oui, il y a vraiment, vraiment des grosses, grosses pépites là-dedans, un vrai trésor, ce mini, incroyable. Et puis il y a aussi la Celebration, n'oubliez hein. pas, juillet-août, des cadeaux gratuits, plein de cadeaux gratuits, juillet-août, mmh, ça va être top. Allez, on bascule et on s'attaque. Et Bobo porte-monnaie, ben bah, non, Mumu, t'inquiète. Euh, on bascule donc. Et on va attaquer la création de ce mini catalogue. Donc maintenant, je suis en haut, là, vous voyez, hop, coucou, et vous avez le plan de travail ici. Je suis assez contente d'avoir déménagé pour faire les lives, du coup, la luminosité est quand même largement meilleure alors, bah donc, vous voyez à l'image le petit album que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. j'espère qu'il vous plaira et j'ai hâte de voir vos créations après. donc, voilà ce petit album que j'ai réalisé avec la collection boutique de thé de notre catalogue annuel, qui est encore tout chaud hein, puisqu'il est sorti le mois dernier. donc, on a encore tellement de choses à découvrir dedans. voilà comment. Il se présente. Alors, je n'ai pas encore collé mes photos, mais elles sont prêtes. Je les mettrai après. Toc, voilà comment il s'ouvre. Donc, déjà, rien qu'en voyant ça, je suis sûre que vous allez, vous, vous rendez déjà compte qu'il est super facile à faire. Alors, déjà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette collection. C'est beau, hein Jours inoubliables. Hop. Journée, pardon. Oups, des jolis citrons, ça sent l'été tout ça. Hein voilà, voilà, vous avez vu d'un peu plus près ce mini. Ça vous plaît Merci Anne-Lise. Alors je vous disais, avec la collection boutique de thé et également, bien sûr, le set de tampons qui est magique. Hein Il est vraiment magique, vous l'avez déjà vu beaucoup, je pense. Mais il est vraiment super beau. Donc, lui, il fait partie du catalogue annuel. On a évidemment les poinçons, et notamment celui-ci que j'adore vraiment. C'est mon préféré. N'est-ce pas, Evelyne Non, euh, pour des photos un petit peu plus petites que ça, Anne-Lise. Mais du coup, les, je donne les dimensions aussi. Voilà. Donc, ça, c'est juste magique. Et du coup, le poinçon, vous le voyez ici. J'ai fait d'abord le tamponnage à l'arrière et ensuite la découpe ici avec les, les petites feuilles. C'est vraiment top. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais travailler avec une autre collection qui fait également partie du catalogue annuel. Hop. Et qui est celle de Doulin. Oui, ne rate pas ton bus, Mimi. <rire> bisous, bisous. <rire> Alors, je vous montre ça. Hop. Je vais déjà vous montrer les autres feuilles, parce que du coup, je suis un petit peu en panne. Mais vous allez vouloir en voir une grosse partie. Il ne me reste que ça. Ah oui, bah, du coup, le reste, il est sur mon album, vous allez voir. Voilà une grosse partie. Coucou Véro, coucou Nadine. De la collection Doulin. Euh, vraiment magnifique, cette collection. Vraiment très très jolie. Vous inquiétez pas, vous allez voir les autres papiers. C'est surprenant Camille, ouais, tu m'étonnes, j'étais sûre. <laughs> je ne suis pas étonnée, ma bichette. Voilà le verso de ce papier, c'est vraiment, je vous assure, très joli. Donc, euh, soyeuse succulente, épinette enivrante et... Ah ben j'ai un trou de mémoire. C'est une stellaire. Voilà. Donc, c'est avec cette collection que je vais travailler aujourd'hui, coordonnée avec l'uni sorbet sucré, qui est coordonnée à ça, évidemment. À laquelle je vais ajouter deux sets de tampons, donc Charme intemporel, qui fait partie de la collection Doulin, et qui est vraiment très très jolie aussi. Voilà, ce set a beaucoup de potentiel. Euh, alors, je n'ai pas pris la perfo avec moi, mais sachez que cette jolie étiquette qui est ici à une perforatrice coordonnée donc ça c'est absolument génial voilà coucou Catherine coucou Monique ça coupe ouais je suis désolée hein, pour le réseau je n'ai aucune solution pourtant je suis à moins d'un mètre du routeur avec la 4G donc je peux pas faire mieux je suis désolée Monique et je coordonne donc ce set de tampons avec celui-ci, Moment de plénitude, qui existe déjà depuis un petit moment, euh, mais que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, euh, parce que les sentiments sont vraiment très sympas, j'aime beaucoup les polices d'écriture également. Et je vais utiliser celui-ci, je l'ai déjà tamponné, mais je voulais vous montrer à quoi ça correspondait. Nathalie, toi, tout est nickel. Bon, alors Monique, peut-être qu'il faut que tu te, euh, que tu te reconnectes coup, pas, mais l'image est floue. Oui, j'y peux rien pour l'image floue, je sais. On me le dit à chaque live, mais euh, voilà, ça vient aussi des, des, du stream, etc. Donc, euh, je ne peux pas faire mieux, les amis. Voilà ce que je vais utiliser aujourd'hui. On y va, vous êtes prêtes Allez, c'est parti. Alors, on va prendre le premier morceau de papier uni. Il y a pas mal de papier, hein, je vous l'accorde. Donc, c'est ce qui va être la base de notre album et il vous faut donc un morceau de papier uni de 29 par 15 sur lequel nous allons venir faire deux plis. Bon, vous allez voir, easy. <laughs> Vraiment facile. Ok Alors, le petit post-it, je le laisse si possible à l'image. Alors, peut-être que si je le mets en dessous là, j'essaye de viser par rapport à ce que j'ai à mon écran et à ce que vous voyez, vous, mais normalement là... Ça devrait être pas mal. Alors, je prends notre outil indispensable, le coup de papier. Et nous allons venir marquer deux plis, comme je vous le disais, à 10 et à 20 cm. Hop, j'ouvre tout ça. Voilà, que tout soit bien à l'image. C'est bon Tout le monde est prêt Alors. Vous savez que vous aurez euh, à la fin du live le replay vidéo, la fiche technique, la liste des produits que j'ai utilisés. Donc pas de panique, si le matériel n'est pas, pas prêt là tout de suite, vous pourrez faire après, il n'y a pas de souci. Alors, je disais, le bord long sur le haut du, euh, du coupe-papier. J'oublie des mots. Premier pli à 10 cm. Pas de souci, Laurence. Premier pli à 10 cm. Oula, essayer de pas trop bouger. Et le deuxième à 20. Voilà, et là, on aura déjà toc, notre base d'album. 10 et 20 sur le bord de 29 cm. Je pense que là, pour l'instant, ce n'est pas trop, trop compliqué. Ok, alors, je le mets de côté deux petites secondes pour... M'occuper des petites pages que l'on va rajouter. Alors, il vous faut pour cela un morceau de papier uni qui mesure 15 par 8 et demi. D'accord Alors, on va faire un pli, mais je vais vous expliquer après. Et deux autres morceaux de papier uni, ça va être des extensions à l'album en fait qui mesure 9 et demi par 15 et là il vous en faut deux ok sur le premier album hop, vous avez peut-être remarqué ici cette petite découpe alors si je zoome un peu plus voilà donc ça c'est une découpe bordure qui fait partie de la collection euh, nuances de bonheur et aujourd'hui pour celle-ci voyez là on part sur autre chose un peu plus original, un peu différent. D'accord J'ai déjà préparé ça. Hop Et du coup, je l'ai réalisé, cette bordure, avec bordure incontournable. Et on a tout ce choix, en fait, pour nos bordures. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Ici, bah, en fait, on peut carrément faire des nuages. D'accord On a les arrondis. On a celui-ci, là, que j'ai utilisé. Voilà, ça peut être pour des enveloppes, pour des... des bas de papier comme ça, enfin bref, il y a plein d'options. Donc ça, c'est poinçon bordure, j'ai utilisé celle-ci. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me demander la référence, vous l'aurez aussi hein, sur la fiche technique, 155, 558. 155, 558. Donc, voilà, mes petites bordures sont déjà coupées. Ce que nous allons faire sur ces, deux, ces trois pages-là, pardon, je remets... Les mesures ici pour que vous ayez le temps de noter au cas où. Pas facile de viser comme ça. Voilà, toc, toc et toc. On va simplement, donc à l'opposé de ces bordures, attention, les bordures ne sont pas obligatoires, on est bien d'accord. Donc à l'opposé de ces bordures, nous allons simplement venir marquer un pli à 1 cm sur ces trois morceaux toc Donc je positionne le bord long en haut et je marque un pli toc, à 1 cm et on fait ça sur les trois pages. Merci Laurence pour la référence dans les commentaires. C'est gentil du beaucoup beaucoup. Toc, la deuxième et la troisième. Voilà. Alors, a priori, mon coupe-papier, c'est bon pour le moment, je peux le mettre de côté. Alors, voilà, on a nos trois morceaux ici. Toc, toc. Alors, soyez vigilante, vous avez remarqué que nous avons deux pages de la même dimension et une troisième qui est un peu plus petite. D'accord Au moment de coller, il faudra. Faire attention. Alors, je vais décaler les post-it maintenant. Voilà. Donc, j'ai ma base d'album qui est là. Voilà, on a les trois plis, enfin les deux plis. Oui, Sandrine, elles sont sympas, hein, les bordures. Elles sont vraiment top. Alors, nous allons avoir une page qui viendra. Hmm, alors, si je la rabats. Comme ça, ce sera plus joli. Voilà. Une page qui va venir ici, sur le volet de gauche, en bas. Ce sont les deux plus grandes. D'accord La deuxième qui viendra sur le volet central, en haut. Et la troisième page, donc la plus petite. Coucou Maritime Merci Isabelle La plus petite, donc, qui va venir, voilà, en bas, à droite. Ça marche maintenant vous avez la disposition donc les deux morceaux de 9,5 par 15 vont sur le volet de gauche et le volet central et le 15 par 8 et demi va sur le volet de droite en bas ça marche alors on peut d'ores et déjà coller ces petites languettes donc, juste avant vous le savez on a l'habitude de biaiser hop, les petits plis voilà, ça sera plus joli toc je fais ça sur les trois comme ceci voilà pareil sur le troisième Hop. et du coup on peut venir coller tout ça ici ça marche pour vous alors Vais réouvrir mon album à côté de moi pour être sûr de ne pas faire de bêtises et vous embrouiller, ça serait quand même dommage. En même temps, c'est pas très compliqué. Je marque mes plis, je colle soit à la colle, soit au double face, comme vous voulez, pas de souci. Voilà, je marque bien mes plis juste avant. Et on y va. Est-ce qu'il y en a Pendant que je colle, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en train de réaliser le mini en même temps que moi Dites-moi. Est-ce qu'il y en a qui scrapent en même temps Est-ce que vous avez eu eh bien, le temps de préparer vos papiers avant C'est pas toujours possible. Hein Je sais qu'on a tous des vies un peu de dingue. Voilà, j'adore. Je vais faire ça à mon mari pour la fête des pères avec trois photos rigolotes de ma fille. Ah, ça, j'adore l'idée, Anne-Mise. Je trouve ça top. Marie-France est en train de scraper. Marie-Claude aussi. Super. Toc. Voilà. Non, je regarde un peu et après replay, car je dois bientôt partir. Pas de soucis, Nathalie. Aucun problème. C'est bon, pour ça hein, qu'on aime bien la technologie. Est-ce hein. que du coup, hop, on peut refaire après Je regarde par intermittence, mais pas de soucis, Nadine Et Mumu, eh bien, elle étudie le catalogue. Bah tu m'étonnes. Toc. Je retire ça. Voilà, donc on n'oublie pas de centrer. On met bien nos bords. Voilà, ça me paraît pas mal. Nickel, et on fait pareil pour les autres. Alors, Chris nous dit, je ferai un replay, je préfère regarder d'abord. Oh, mais il y en a plein qui sont dans le même cas. Ça a un côté rassurant de voir l'intégralité d'abord, comme ça, on sait où on va après. Oui, ma Cathy, je sais bien, ma pauvre bichette. Je pense fort à toi. Fabienne nous dit quoi Je te regarde au travail, pas de matériel. <laughs> La coquine. Marie-Christine, en replay aussi, pas de souci. Alors. On centre ça. Toc. Je vais le faire après, je trouve le chat trop intéressant. Le chat Pourquoi le chat, Evelyne Prévoit au moins 2 mètres de liste. Ah oui, pour le mini-catalogue, ça c'est sûr que la wishlist, elle est costaud. Je pense que cette fois, je vais mettre une A4 au lieu de mettre une A5. Je scrappe comment hein, Parce que je suis à la week-end. Ah ouais, mais alors euh, Camille, franchement, si tu fais autre chose en même temps. T'essayes de faire autre chose et que tu regardes mon live en même temps, alors là tu prends un risque, hein. mais t'aimes bien vivre dangereusement, <laughs> je crois. <laughs> ok, alors voilà, on a du coup la base de l'album. J'aime déjà beaucoup ce que ça donne avec la petite bordure, et quand il va y avoir le papier, je pense que ça va être encore plus fun. Toc et toc, voilà, ça paye pas de mine hein, comme ça, mais les commentaires dans le chat ah ok Evelyne j'avais pas compris je <laughs> suis désolée <laughs> ok alors on va replier ça et avant de venir coller tout le reste du papier on va tout de suite venir poser euh, le ruban parce que du coup vous avez vu sur ma première version hop j'ai mis la petite ficelle perruche de parade je vous ai même pas dit perruche de parade Là, parce qu'on a des ficelles qui sont coordonnées à toutes les nouvelles incolores. Okay. Donc du coup là on va poser notre ruban. Donc là pour l'instant j'ai face à moi l'intérieur de l'album. OK. Et la face donc avant, je me fais une croix, la face avant de mon album est là, sur ma gauche. D'accord Là, ça va être la face avant. Donc si je vous mets l'autre à côté, hop ça. J'essaye de détailler euh, pour... Euh, que ce soit adapté à tous les niveaux de scrap. D'accord Ok, donc comme je sais que ici, ça sera ma face avant, hop, je retourne mon mini, d'accord Et là, j'ai toutes les faces extérieures avec ici, donc la face avant de l'album. Ok Ça paraît clair pour vous Et donc, on va venir coller tout de suite le ruban, d'accord, qui lui viendra en fait se positionner au niveau du de la partie centrale et de la partie avant d'accord donc là le, le but va être de marquer le centre du volet central et du volet de l'avant d'accord pour pouvoir poser le ruban le plus proprement possible on fait attention de ne pas coller donc sur le volet là ici qui est actuellement à ma gauche D'accord Parce que du coup, sinon, ça va bugger au moment de la fermeture. D'accord Parce que si je le retourne, celui-là, vous voyez, cette partie-là, elle va à l'intérieur. Donc si on a le ruban qui vient là, ça ne va pas le faire. Ok Ça vous paraît plus clair Donc, c'est parti. Je vais marquer le centre de mon album ici au niveau du volet centrale, donc je vous rappelle que qu'ici si ça fait 15, donc tout simplement on fait une petite marque à et demi. c'est trop beau ce vert sur rouge, ah oui ça ressort bien, hein, c'est vrai tu vois, il me faut lire les commentaires pour améliorer mon français, Evelyne c'est une excellente idée, bravo, bravo, rien de tel que d'apprendre une langue ou de se parfaire dans une, alors j'ai mis Ma marque à 7,5, et du coup, toc. Voilà, j'ai pris donc du ruban soyeuse succulente, puisque ça va être le reste de mon papier unique. Je vais adapter avec le sorbet sucré qui est tout simplement coordonné à la collection de papier, donc c'est vraiment trop beau. Bon. Donc, voilà, je vais venir coller sur le volet central et sur le volet de droite. Donc, je prends mon double face, toc. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de mettre du double face sur toute la longueur, puisque de toute façon, on va venir coller le matage et le papier design dessus. Donc, ça va donner un maintien supplémentaire. D'accord Oui, pas de soucis, Nathalie. Bon après-midi, à bientôt. Toc, voilà. Donc, un petit bout ici aussi. Et du coup, je vais pouvoir. Donc, avant de le coller, je vais refermer, toc, pour être sûr d'avoir la bonne longueur au moment de la fermeture. Voilà, pour que ce soit équilibré, tac-tac. Voilà, maintenant que j'ai marqué le centre, voilà, du coup, ça me permet d'égaliser mon ruban. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à retirer. L'opercule de mon double face. Voilà. Et zou, on fait pareil à l'arrière. Comme ça, on est nickel. Le ruban, là, j'ai pris à peu près 35 cm de ruban. Pour celles qui n'avaient pas pu voir les mesures avant, 35 cm de ruban. Tac Voilà la pâte à sel est brûlée et a déclenché l'alarme. Mon Dieu, Nadine, mais qu'est-ce qui se passe T'as tes petits-enfants, je parie. Coucou Rachel, tu vas bien Voilà. Donc là, ça y est, j'ai mon ruban. Nickel pour fermer, pour tenir fermé mon petit album. Ok. Et bien là, en fait, il reste vraiment le plus simple à réaliser poser nos papiers de matage, les papiers design. Donc je vais vous redonner les mesures. Il n'y a pas de souci. On Y va donc alors je vais remettre tout ça dans l'ordre. Je vais remettre tout ça dans l'ordre. Toc, j'ai tout préparé avec les, les petits post-it. Donc, ça vous, vous apercevez donc les autres motifs que je n'ai je n'ai je ne vous ai pas montré en début de live. Donc, le recto et le verso qui sont vraiment top. L'autre que j'ai pris, toc. <laughs> enlever le post-it pour que vous voyez mieux. Regardez comme c'est beau. Vous comprenez, du coup, le soyeux succulente et le sorbet sucré, les deux ensemble, ça va super bien. Hop. Et là, on a le scène stellaire et on a aussi du papaypal. Donc en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on a beaucoup de Incolor euh, 21-23 et 22-24 euh, qui sont associés et c'est super joli. Ok, alors je dispatch tous mes papiers. Voilà, je les récupère avec mes mesures. Alors, c'était tout bien clair dans ma tête pour savoir où j'allais les mettre. Euh, Celui-là, ça va être pour l'avant extérieur et le centre. Donc, je le mets de côté. Toc, toc, toc. Alors. 14 par 19 x 2 x 2 mais mais où <laughs> C'était méga clair dans ma tête hein, quand je les ai préparés. Toc, là j'en ai 4. OK. Voilà. Celui-là, le matage, il va aller ici, me semble-t-il, mais oui. Toc. Je repositionne un peu tout ça. Hein. J'adhère pas avec ce papier, mais j'adore le set de tampons. Ah, bah oui, mais alors ça, c'est vraiment chacun ses goûts, ma biche. Ok. Alors, je vais procéder par élimination. Donc, le papier de matage qui est ici mesure 14,5 par 8,5. Ok. Donc, j'ai dû prévoir qu'il se mette ici ou peut-être à l'intérieur. Je ne sais plus. Celui-là, 14 par 9. Toc. Ici, peut-être. Celui-là. Alors, les deux font la même taille. Qu'est-ce que j'ai fait Ah, ça y est, je sais. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc, <laughs> c'est quand même ballot hein, d'en arriver là. Celui-là, voilà, il va venir à l'arrière. Ok, ça y est, ça revient. <laughs> Celui-là, il va aller à l'avant, mais je sais pourquoi. Regardez. Donc, un morceau de papier de matage, c'est ce que je vous ai mis dans les mesures, sauf que j'ai voulu faire ma rebelle. <laughs> Et de ne pas mettre de papier de matage, mais de remplacer par autre chose que je vous montre tout de suite. Donc, dans les mesures, vous avez le papier de matage qui mesure 14,5 par neuf et demi, d'accord Et là, on est en fait sur toc 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 l'extérieur de l'album. Donc un matage ici de 14,5 et demi par 9 et demi. Donc potentiellement, vous en avez besoin de deux. Ok C'est juste parce que j'ai voulu faire ma rebelle. Donc un sur la face avant et un autre sur la face Arrière. Ok Comme ça, tout l'arrière va être aussi décoré. Ensuite, il vous faut, toc, ici, le morceau de papier design qui mesure 14 par 9 cm. Et il vous en faut deux. Donc, un pour la partie ici, arrière, et un pour l'avant. Donc, moi, j'ai remplacé celui-là. Par un morceau de papier blanc que j'ai tamponné, je vous montre ça tout de suite. Ok, donc le papier imprimé, hop, il va venir ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce mélange de couleurs, mais je trouve que ça ressort super bien. Donc je répète pour l'arrière, ici nous sommes à 14 et demi par 9 et demi, il en faut 2. Ensuite, les papiers design 14 par 9, il en faut deux aussi. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller tout de suite au fur et à mesure. Ok, comme ça, ça sera plus clair et plus simple pour tout le monde et puis ça évitera qu'on les perde. Pourquoi tu dis génial, Mumu Qu'est-ce qui te plaît, ma biche Ouais, il est beau, hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Donc là, j'ai remplacé, comme je vous disais, le papier de matage par du papier design pour une fois voilà hop je retourne je vais coller mon papier de matage ici tac 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 qui fait 14 et demi par 9 et demi voilà donc ça en fait c'est quand il est fermé c'est la partie arrière quand il est ouvert c'est la partie centrale de l'album le DSP en matin, je t'aime bien l'idée. Ah, bah tu vois que j'ai eu raison de faire ma rebelle. Merci Mumu. Ça fait plaisir. Hop, j'avais mes traits de crayon. Ok. Maintenant, je peux venir coller mon morceau de papier imprimé ici. Ça ressort super bien. Voilà. Toc. Voilà, voilà, donc pas de panique, ne vous inquiétez pas pour les mesures et si vous n'avez pas tout coupé, toutes les mesures et les schémas sont euh, sur la fiche technique. D'accord Donc en ayant les mesures bien sous les yeux et en regardant à nouveau la vidéo, vous verrez que ça vous paraîtra beaucoup plus évident. Ok, déjà, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ok. Alors, je vous raconte ce que j'ai fait pour l'avant. Allez, on y va. Sur ce morceau euh, de... J'ai oublié le pliouard, mais pas grave. De papier blanc, donc, qui normalement devait être euh, mon euh, papier design, d'accord, qui mesure 14 par 9, j'ai eu envie de changer. Et du coup, je me suis amusée avec le set de tampons, donc Charme intemporel, que je vous ai montré tout à l'heure, qui va avec la collection et donc notamment avec cette jolie fleur. Donc le tampon est en un seul morceau, mais j'avais envie de donner des couleurs un petit peu différentes et puis que ça se rapproche quand même du papier design. Donc j'ai choisi des couleurs, je suis restée évidemment dans les mêmes tons, d'accord donc, on est sur papaïpale, qu'on retrouve sur le papier, sorbet sucré, qui est la base de mon album, et soyeuse succulente, qui est donc la couleur de mon ruban, mais également toc de mon matage. Et en fait, j'ai simplement déposé l'encre sur mes fleurs ici, au doigt à éponge, tout simplement. Et du coup, ça ressort super bien. Une fois que j'ai eu tamponné. Ce joli motif avec mes pattes d'encre et les doigts à éponge, et eh bien je me suis dit, bon, il manque un truc, ça fait encore un peu fade, et du coup j'ai décidé de le passer dans un plioir de gaufrage. Voilà, donc voilà ce que ça donne, et j'ai rajouté nos petits papillons en laiton. Voilà, et voilà du coup ce que ça donne. Avec la fameuse petite étiquette, dans le set de tampons Moment de plénitude que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, puisque c'est un petit album, donc le message tombait parfaitement bien. Et des petites couronnes ici de feuilles que l'on retrouve pareil dans Charme intemporel qui sont ici. J'aurais pu aussi prendre des fleurs ou les petites arabesques, mais voilà, celui-là, ça me plaisait bien. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait ma rebelle et que j'ai remplacé le matage par le papier imprimé. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais malgré tout, je pense que ça va le faire. Donc, voilà. Maintenant, merci, ça a l'air de vous plaire. Ah, ça, c'est top. Euh, je te redonne la référence, Muriel. Je n'ai pas pris le plioir avec moi. Donc, je te redonne ça, mais tu l'auras aussi sur, sur mon blog. Hein. Hop, et. Voilà, je vais venir coller tout ça ici. Je pense que ça, je vais le mettre après avec les dimensionnels. Ou pas. Alors, je colle. Tu m'arrives à la fin. Oui, ma Cathy, pas de souci. Repose-toi, ma bichette. Je pense fort à toi. Courage. Dans quelques jours, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir et voilà du coup on a le joli papier qui ressort à l'arrière qui tranche aussi avec la base de l'album en sorbet sucré et hop le tour est joué ça vous plaît voilà donc allez je vais pas mettre tout en bas juste ici voilà, du coup, ça fait quelque chose d'un peu plus euh... travaillé pour l'avant. Ça change un peu, beaucoup fatou. Alors, ça change complètement hein, du premier. Voilà ce que ça donne. Si jamais vous passez un bon moment pendant la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup. Alors, on continue. On continue ici donc avec le. Troisième volet qui est pour l'instant fermé. Ok, alors j'aurais bien aimé pouvoir faire l'ancrage du tampon. Anise les doigts éponge tout simplement. Je trempe le doigt éponge dans le pad d'encre et je viens déposer l'encre délicatement en fait sur les différentes parties du tampon directement. Tout simplement. C'est vraiment très très simple. On prend le doigt éponge, on trempe dans le pâte d'encre et on vient déposer avec le doigt éponge aux endroits euh, qu'on a envie de coloriser ou pas. Donc du coup, sur les parties noires de ce tampon-là, j'ai euh, déposé l'encre papaye pâle. Au centre, avec un autre doigt éponge, sorbet sucré. Et ensuite, sur les feuilles autour, eh bien, avec mon soyeux succulente. Tout simplement. Donc je disais mon volet 3 est rabattu vers le centre. Ici un papier de matage 14 et demi par 8 et demi. Ok. Et du coup, en toute logique, un papier design de 14 par 8. L'encre ne sèche pas. Sur quoi elle ne sèche pas ma bichette T'inquiète, ma routine, fais dodo, fais ta petite sieste. Euh, sur quoi elle sèche, ma biche Et je ne sais plus qui m'a demandé. Euh, alors, merci Laurence, elle nous a mis, Muriel, le, la référence du plioir. Euh, Véronique, euh, d'abord on tamponne et, et ensuite on vient passer le papier dans le plioir de gaufrage. Ok Le temps que tu appliques les couleurs. Non, non, sans aucun problème. Avec le les doigts éponges et même avec les Stampin' right hein. franchement il euh, n'y a pas de souci et au pire du pire des cas euh, le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de le faire avec le stamparatus c'est à dire que le papier du coup il est posé il ne bouge pas d'accord et si on voit qu'il n'y a pas assez d'encre euh, que c'est pas assez prononcé euh, on recommence on en remet et puis on peut retamponner direct et pas de souci euh, du coup le tampon ne bouge pas avec le stamparatus donc ça c'est vraiment génial que ce soit avec les doigts éponge ou les Stampin' white ou même avec les pattes d'encre. Hein. Si on trouve que c'est pas suffisamment ancré ou qu'on n'a pas suffisamment appuyé à un endroit ou à un autre, du coup euh, le Stamparatus pour ça il est absolument génial. Et si jamais tu as un doute, tu souffles dessus comme si tu voulais faire de la vapeur. Ah, c'est pas bête ça J'arrive à la fin. Bon, Ouh tube de colle. Alors ça c'est magnifique. <laughs> Il est tombé sur mon doigt. De rien Marie France. Toc. Voilà. Allez, je colle le matage ici. Voilà le papier imprimé par-dessus. Oh là là. Est-ce que je vais réussir à finir mon album avec mon tube de colle Mystère et boule de gomme, les amis. Voilà. Ok. Allez, je fais un peu de place visuellement avec tous ces petits post-it. Et du coup, maintenant, on va pouvoir procéder au reste. Euh... Alors. Et donc mon dentier sera sur le tampon. <laughs> Papa, qu'est-ce que tu racontes J'imagine la scène. C'est pas bien de me faire des blagues comme ça. Et à quoi tu penses mon dieu alors il me reste ces morceaux hop, de papier design qui vont aller ici et là voilà donc deux morceaux de 12,8 par 8 12,8 par 8, donc ils vont sur la page du volet de droite. Ok Donc, hop, et hop, ici. Alors, je colle au fur et à mesure. J'ai toujours l'image dans la tête, là. Mon Dieu Quelle idée Fafa enfin. Oui, oui. C'est pas l'histoire du souffle Evelyne, c'est l'image de Fafa qui en soufflant perd son entier. <laughs> c'est cette image-là que j'ai dans la tête. <laughs> je sais que c'était pas le, le coup de souffler, hein, la blague, je trouve, je trouve ça une super bonne idée. <laughs> Alors selon euh, petite chose un peu plus sérieuse. Euh, selon la taille de vos bordures. D'accord Si vous décidez de faire une bordure, peut-être que les dimensions peuvent un petit peu changer. Donc il vous faudra à ce moment-là adapter les dimensions du papier que vous allez coller ici ou potentiellement des photos. D'accord Hop Alors, next. Je vais mettre celui-ci ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Celui-là, ici. Donc, du coup, j'ai le même papier ici. Coucou Martine, comment vas-tu Ça fait un bail, dis donc. Et du coup, hop, à l'opposé ici, je vais venir mettre celui-là, là. là. Celui-là, ici. Et du coup, je fais le choix, moi, hein, de laisser. Non, j'ai pas envie de mettre de ma tâche, Muriel. Voilà, après vous pouvez tout à fait en mettre, euh, bien sûr. Du coup, sur l'album d'origine, je n'en avais pas mis non plus. Voilà. Mais je me suis dit que euh, ça pourrait faire un petit peu plus d'épaisseur. Et si on veut mettre les photos, etc. Euh, voilà. Donc, du coup, non. J'ai fait le choix de ne pas en mettre. Ici, on est sur du papier imprimé qui mesure 12,8 par 9. Et il vous en faut donc 4. D'accord et ça concerne les volets ici, ok Dans la fiche technique, vous avez les mesures pour le papier blanc que j'ai mis sur l'album original, d'accord Mais ça peut tout à fait être remplacé par les photos si vous voulez qu'elles soient un petit peu plus grandes, d'accord Là encore, c'est une question de choix, donc vous adaptez selon vos envies, selon vos photos, euh, voilà, on peut, euh, on peut adapter tout ça. Alors, euh, c'est parti. Je viens coller tout ça. Tac. Voilà. Donc, celui-là, il va ici. Et puis, du coup, euh, vous pouvez aussi ne pas en mettre du tout si vous voulez uniquement mettre vos photos. Hein. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Muriel Celui-là, il va là-bas. Là. Hop, j'ai tout qui est de travers. Un peu là. Ici, du coup, ça c'est bon. Il me reste celui du bas. Voilà. Toc. Toc, toc et moi celui-ci, ici Line, comment ça va Bienvenue. Voilà. Toc. Hop. Et du coup après je vais pouvoir poser toutes mes photos. Elles sont pratiquement prêtes. J'ai plus qu'à les euh, couper un tout petit peu. Et voilà. Donc je vous rappelle, ici, d'accord. Euh, bon bah c'est encore... Euh... Allez, petit zoom Sois gentil Caméra <laughs> Ça va venir, ne hein, vous inquiétez pas. Si je fais ça. Est-ce qu'il veut bien se remettre Ah oh, bah dedans. Alors attendez, je vais essayer quelque chose. Si je modifie la caméra là, non, il veut pas. Merci, c'est trop mignon, Line. Oui oui, ça va bien. Je te remercie. Là, je me bats avec ma caméra, tu vois Ouh <laughs> Qui doit fatiguer. C'est pas drôle. <laughs> S'il te plaît, petite caméra, sois gentille. Alors, si je fais du méga zoom là. Ah Ça y est On l'a retrouvé Plus bougé <laughs> C'est bon Alors, euh, oui, je vous disais pour les mesures à l'intérieur. Alors, je vous redonne ça tout de suite. Voilà, déjà, ça vous donne une idée. Comme ça toc, toc, toc. Voilà, du coup, quand il y aura les photos euh, avec le papier. Avec les photos, voilà, on verra plus euh, ici les bordures, donc ça sera très sympa. Hop et hop. Donc ici les morceaux de papier blanc ou potentiellement les photos. Je vous donne les mesures, donc là et ces deux-là. Donc soit le morceau de blanc qui vous servira potentiellement de papier de matage d'accord ou les photos 14 et demi par 9 et demi pour la, le volet de gauche et le volet central ok et le volet de droite 14 et demi par 8 et demi donc je vous remontre l'album initial j'avais mis ici hop, des morceaux de papier blanc donc ce sont ces mesures là que vous voyez 14 et demi par 9 et demi pour ces deux là et 14,5 par 8,5 pour le volet de droite. Donc je vous rappelle soit du papier de matage, soit directement vos photos si vous voulez qu'elles soient un petit peu plus grandes ici. Potentiellement, vous pouvez évidemment en mettre un hein, sur les, les petites pages qu'on a rajoutées. Et là encore, ça dépendra si euh, vous mettez euh, du matage ou pas. Ah Fabienne, <laughs> ça va C'est bon, t'as vu ma biche Toc et toc. Voilà donc le premier album avec perruche de parade et boutique de thé. Voilà. Allez, ferme-toi s'il te plaît. Toc. Et donc le deuxième, j'ai hâte de mettre mes photos dedans. J'ai prévu de mettre des photos de mes filles qui avaient posé dans le jardin. Toc. Voilà. Ah. Ouais, j'étais. Oui, oh, pour une fois. Alors, et voilà du coup les deux versions. Je vous montre ça un petit peu plus près. Voilà, voilà. Vous avez donc les deux versions de l'album. Alors dites-moi là, euh, comme ça, à chaud, quelle est votre version préférée? Perruche de parade ou sorbet sucré? Boutique de thé ou doulin? Dites-moi. Pendant ce temps-là, je vais faire le petit nœud. Hop. Mmh. Non. Ce sera des petites boucles. Tac. Voilà, du coup, quand il est fermé, c'est nickel. Ah, les deux. Je vais mettre les enfants et les petits enfants. Ah, super Marie-France. Tu aimes les deux. Lynne aime les deux aussi. Fafa pareil. Ah, Camille préfère boutique de thé, Véronique Doulin. J'aime les deux, mais les tampons, c'est compliqué pour moi. Il faut tester, Annelise. Franchement, n'aie pas peur. Entraîne-toi euh, sur du brouillon, euh, avec le Stamparatus ou avec des blocs acryliques. Euh, n'aie pas peur de tester, d'accord Il n'y euh, a que comme ça que tu prendras de la dextérité. Avec le tamponnage, aucun problème. Alors, merci Eliane, c'est adorable. Merci Marianne d'avoir été là. Tu ne peux pas choisir avec les deux. Bon, écoute. Muriel préfère celui d'aujourd'hui parce qu'il a plus de peps. Evelyne, ça c'est l'album Genaille pour moi. Normalement, je n'arrive pas trop bien, mais avec tes explications, ça va marcher, j'en suis sûre. Merci beaucoup Evelyne, c'est adorable. Ça, j'adore ce genre de commentaires, ça me fait trop de bien. Alors, je ne suis pas objective, j'adore le thé et le vert et ma couleur préférée. Ah bah, ben, j'ai tapé dans le mille Camille. Le stamparatus est le meilleur ami. Ouais, c'est clair, meilleur ami du tamponnage sans aucun problème. Et euh, mamounette préfère doulin, pareil pour Sandrine. Bon du coup, c'est top, il y en a pour tous les deux. C'est le stamparatus qui m'a réconcilié avec les tampons. Ah Francine, comme je suis d'accord. Exactement. L'idéal avec le Stamparatus, on a les aimants pour tenir le papier, on peut ancrer une première fois, hop, on n'a pas assez d'encre, c'est pas grave, on recommence. Du coup, ça n'a pas bougé, il n'y a pas de débordement, on sait qu'on retombe pile poil au même endroit, c'est l'idéal. C'est vraiment le top du top. Anise, faut y penser. Alors, c'est un. Très bon moment comme d'habitude. Merci beaucoup Marianne d'être si fidèle chaque semaine. Vous faites partie vraiment de celle qui est là tous les mercredis et ça me fait vraiment super plaisir. Marie-Christine, la carte rouge est trop belle. Super. Génial. Merci Maddy, c'est adorable. C'est une merveille le stamparatus et top pour aligner son texte exactement. Mais vraiment ça, c'est le coupe-papier et le stamparatus. Ce sont vraiment les deux indispensables. Pour ne jamais rater nos créations. C'est vraiment les deux outils inévitables. Et moi, c'est la colorisation avec le crayon à estompe et les encreurs. Et bien, c'est pareil, Martine, il ne faut pas hésiter à tester. Euh, les encreurs, vous pouvez tremper la mine du crayon à estompe directement sur le coussin. Ou alors, quand le pad est fermé, vous appuyez dessus. Pour que l'encre euh, vienne se déposer un petit peu sur le couvercle, d'accord, et vous récupérez, comme avec un pinceau à, à eau, vous récupérez l'encre comme ceci avec le crayon à estompe directement sur le couvercle. Voilà. Il y a plein, plein, plein d'astuces. Je repasse par ici pour euh, vous saluer. Je suis très très contente d'avoir passé cette petite heure avec vous. J'espère que vous avez passé un aussi beau moment, bon moment que moi. Au bout d'une heure, ça commence à être dur. Euh, C'était vraiment top pour moi. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que euh, ça vous a plu. Et que, euh, et que du coup, euh, eh bien, vous allez reproduire ce mini-album. J'ai hâte de les voir. Pensez à les partager hein, sur vos réseaux avec le hashtag Harmony Scrap. Comme ça, je peux être notifiée et pouvoir profiter, moi aussi, euh, de, de ces belles créations que vous aurez faites. <coughs> Ma gaieté est contagieuse. <laughs> Merci, Laurence. Ça fait plaisir. Euh, voilà. Alors, je vous rappelle hein, les... Merci beaucoup pour cette petite... Ces astuces, avec grand plaisir. Oui, Chris, il n'y a aucun souci, vous allez forcément y arriver. Puis, si vous avez une petite galère, vous m'envoyez un petit message et j'essaierai de vous conseiller au mieux. En tout cas, j'essaierai. De rien, ma petite Fafa. C'est très joli, j'aime beaucoup. Coucou Annie, vous étiez là, je ne vous avais pas vue. Je vous fais plein de bisous, Annie. Avec plaisir, Annie. Je suis ravie de pouvoir vous aider. Euh, donc, n'oubliez pas les liquidations du mini janvier-juin qui sont en cours, hein, des produits jusqu'à moins 50. Donc, c'est le moment d'en profiter. Euh, et puis euh, n'oubliez pas aussi tous les, euh, tous les kits qui sont là. Euh, un acheté, le deuxième à moins 50%. Et c'est le plus cher qui est à moins 50%. Donc c'est juste énorme. Et n'oubliez pas mon invitation, à votre défi euh, de commander un ou plusieurs kits. Et du coup de me rejoindre en Zoom le 23 mai. N'ouvrez pas votre kit. Et on le découvre ensemble euh, lors d'un petit Zoom le 23 juin. Voilà. Je vous embrasse. Tous vraiment très très fort. Merci beaucoup d'avoir passé cette petite heure avec moi. J'espère qu'elle était agréable pour vous. Euh, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. Entre temps, l'inspiration du week-end et la découverte du projet de la semaine prochaine, samedi matin à 11h. Je vous embrasse fort fort fort. À bientôt. Ciao